merci Sarah pour ce coucou de Dakin. La promesse contenue dans le livre d'Ésaïe ressemble à une paix universelle, dans laquelle les animaux et les hommes n'auraient plus à craindre les uns des autres et dans laquelle il n'y aurait plus de prédateurs. Cette présentation d'un règne de justice pacifique où la violence et l'injustice n'ont plus droit de cité est très agréable à accueillir idéalement. Et c'est comme un horizon devant nous, mais elle pose de nombreux problèmes quant à la représentation du règne animal et de nos rapports avec lui. À tel point qu'on se demande s'il est bien souhaitable que le lion et le bœuf mangent ensemble du fourrage. Cette représentation d'alliance animale et humaine se retrouve jusque dans le logo de la Ligue française des droits de l'animal humain, destiné à montrer l'importance de l'éducation, agenouillée en signe de respect devant un lion, animal représentant traditionnel du monde animal. La poignée de main, entre guillemets, entre les deux, scelle une entente et une paix retrouvée. L'un et l'autre sont posés sur le même plan et ont la même taille, signifiant ainsi l'égalité et l'absence de primauté. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site de cette Ligue pour le droit des animaux qui est absolument passionnant. C'est grâce au travail juridique mené entre autres par cette fondation et grâce à la Déclaration universelle des droits de l'animal que de grandes avancées ont pu être faites en matière de défense des droits animaux. Où en sommes-nous en ce moment estival où les abandons d'animaux domestiques se multiplient ? Où des animaux meurent des incendies souvent causés par des causes criminelles, où les internautes déversent sur le net toutes sortes de contenus, alors parfois édifiants et très mignons et d'autres fois tout à fait répugnants, qui impliquent des animaux sauvages ou domestiques. La dernière loi en matière de droit des animaux dans notre pays date du 30 novembre 2021. Elle a pour objectif d'interdire la vente de chats et de chiens en animalerie. On ne s'achète pas un animal comme on s'achète un sac à main. Et d'encadrer l'adoption des animaux domestiques, de sanctionner plus lourdement la maltraitance animale. Il y a encore des milliers de cas recensés cette année. De mettre fin au spectacle avec les animaux sauvages, d'arrêter l'élevage de visons pour la fourrure. Mais si ces avancées sont très importantes, il faut encore beaucoup de progrès en ce qui concerne les animaux d'élevage et les animaux sauvages en liberté. Quel espace leur laissons-nous ? Comment les traitons-nous quand ils croisent notre chemin ? Les batteries dans lesquelles les animaux sont traités comme de la viande entreposée dans des cages, n'ayant pour seule existence d'attendre dans des conditions lamentables leur mort, devrait peut-être purement et simplement être interdite. Et c'est ce qui est en projet actuellement, heureusement. Et la viande de nos supermarchés serait peut-être plus rare, mais aurait sans doute une autre valeur aux yeux des consommateurs. L'utopie du livre d'Ésaïe utilise la traditionnelle opposition entre civilisation et monde sauvage en vue de l'abolir, afin de signifier que le règne de Dieu revient à l'absence de violence. À d'autres endroits de la grande bibliothèque qu'est la Bible, l'utilisation des motifs animaliers ne vise pas le même discours, et c'est souvent pour montrer la puissance de l'homme que l'animal est mis en scène. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Un tel verset s'accorde assez bien avec l'idée que l'homme a pour vocation de dominer la vie à la surface de la planète.
Et même si les écrits de sagesse comme l'Ecclésiaste, les Proverbes ou le livre de Job tendent à s'émerveiller du monde animal sans chercher forcément à le dominer, de sa beauté, de sa force, l'idée que l'homme est au-dessus de l'animal dans une présumée hiérarchie du vivant à la vie dure. Et le traitement de l'animal est encore aujourd'hui influencé par un critère implacable, celui de la raison qu'on prête à l'humain et pas à l'animal. Dans le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale dirigé par Monique Cantos-Perber, Jean-Yves Goffi, qui fut mon professeur de logique en faculté de philosophie, retrace à l'entrée animaux le chemin parcouru en matière d'éthique des relations entre les humains et les animaux. On comprend à la lecture de l'article que traditionnellement, dans la pensée occidentale, l'animal est dépourvu d'intelligence et de volonté propre. C'est ce qu'affirmait le théologien Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. 6 siècles plus tard, le philosophe Emmanuel Kant pense quant à lui que l'animal est incapable de former le concept de loi universelle et nécessaire. Ces deux penseurs ne considèrent pas qu'il faille maltraiter les animaux pour autant, et l'homme a d'ailleurs des obligations morales à leur égard. Mais les animaux n'ont pas droit de cité en matière morale. Ils ne seraient pas capables d'avoir une pensée morale et une attitude morale. En revanche, le théologien Lindsay soutient que les animaux ont une valeur inhérente aux yeux du Créateur et que leur faire du tort est faire du tort au Créateur lui-même, à la création divine. Il faut dire que la Bible véhicule de façon mythique la création des animaux par un Créateur qui range le vivant selon l'importance du vis-à-vis qu'il se choisit et qu'il choisit à l'homme. Ce mythe de création des animaux hautement anthropocentré est le révélateur des bonheurs et des malheurs des êtres humains, mais aussi de la façon dont ils veulent conserver une hiérarchie patriarcale traditionnelle. Les écoféministes ne s'y sont pas trompées quand elles ont vu les liens entre les violences faites aux femmes et les violences faites aux animaux dans les sociétés dominées par les hommes. Dans le deuxième mythe de création de la Genèse, il est écrit « L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour un homme il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. » Et c'est alors que Dieu tira Ève de la côte d'Adam. Faute d'avoir trouvé un animal que l'homme puisse prendre comme aide, Dieu est contraint de céder à la création d'une femme. Terrible image de la société patriarcale où la femme ne vaut que lorsqu'elle est utile à l'homme. On retrouve d'ailleurs cette hégémonie masculine dans les 10 commandements où il est écrit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. » Comment ne pas faire des rapprochements entre la domination sur les animaux et celle sur les femmes quand on lit de tels textes ? Il est essentiel de les remettre en question toujours. Mais revenons à nos moutons, et plus précisément à nos relations avec les animaux. Comment établir une relation juste avec eux ? La Bible nous parle ailleurs d'une protection animale, comme dans le mythe de l'Arche de Noé, où un échantillon de chaque espèce est préservé du cataclysme qui va ravager la terre, ou encore du sabbat qu'on doit aux bêtes de somme autant qu'aux hommes. On y lit même des règles de miséricorde qui épargnent l'animal des conflits humains. Si tu vois l'âne de ton ennemi, on trouve dans Exode, succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Comment écrire un droit des animaux quand les animaux eux-mêmes ne sont pas sujets du droit à part entière ? Qui peut représenter des êtres qui ne sont pas eux-mêmes en mesure de dire ce qu'ils veulent ou de défendre leurs intérêts propres? Il existe bien sûr plusieurs conceptions du droit des animaux.
On peut le rattacher au bien-être animal et interdire tout ce qui irait à son encontre. On peut aussi considérer que l'animal a une certaine vocation d'animal dans le vivant. Il a la vocation à être animal et que sa valeur tient à une sorte de téléologie. Il doit accomplir cette vie animale. Alors on fera en sorte que personne ne puisse contrevenir à cette marche du temps. On peut aussi soutenir que les animaux sont les sujets de leur vie. La question du droit est tellement liée à celle du langage et de la notion de personne dans notre société humaine que parler de droit des animaux présente toutes sortes d'écueils et souvent font échouer l'accès aux droits des intéressés eux-mêmes. Le philosophe Jeremy Bentham pose dès 1789 le problème autrement. Pour lui, la question n'est pas « les animaux peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» Donc il n'est pas question de les rapprocher d'un être humain pour pouvoir leur donner des droits. Mais peuvent-ils souffrir ? Là où la morale ne peut être transposée au règne animal, il s'agit plutôt de se demander, du point de vue humain, quelle attitude devons-nous adopter vis-à-vis des animaux ? Le philosophe anglais contemporain Richard Mervyn Eyre donne une application pratique de l'exigence morale vis-à-vis des animaux. Il préconise de se mettre en imagination à la place de chacun de ceux qui seront affectés par les conséquences de son action et se demander jusqu'à quel point on accepterait de voir ses intérêts affectés comme le seraient les leurs. Sorte de sympathie à l'égard des animaux. Alors il ne s'agit pas de se mettre à leur place réellement, puisque nous ne sommes pas des animaux et qu'il est très difficile de passer de notre culture à la culture animale, puisqu'il y a des cultures animales, on le sait maintenant, mais en tout cas de s'imaginer intellectuellement, au moins théoriquement, ce qui peut être l'intérêt de l'animal quand on regarde sa façon de vivre et son milieu. Il est quand même très difficile de se mettre à la place d'un animal. Alors comment comprendre le monde de son point de vue ? À force de vouloir son bien, ne risquons-nous pas de faire manger du foin au lion comme dans le prophète Ésaïe ? En projetant notre compréhension de ce que doit être la vie idéale d'un animal sauvage ? En cherchant une éthique de la terre tout entière, la pensée écologique est venue apporter une autre vision du rapport homme-animaux. L'humanité devient alors une communauté biotique parmi d'autres. Et les animaux ne sont plus la minorité à libérer que défendait Peter Singer. La notion de communauté biotique nous fait passer d'un anthropocentrisme où nous serions vraiment le centre de tout l'univers, à un écocentrisme, où nous devrions penser les choses en nous mettant nous-mêmes à l'intérieur de l'écosystème. Nous faisons partie d'un écosystème et nous devons veiller à ne pas le perturber, mais plutôt à conserver sa beauté, sa stabilité, son intégrité. Toutes ces philosophies et éthiques nous ont fait évoluer dans notre rapport aux animaux, et l'éthologie qui étudie les comportements animaux permet d'éduquer l'homme moderne d'une façon remarquable, jusqu'à transformer l'opinion publique de manière significative. Cependant, la prise de conscience ne suffit pas. Quand on voit toutes les cruautés qui sont faites à l'égard des animaux, il faut que nous puissions écrire des lois pour empêcher les membres de la communauté biotique humaine de nuire aux non-humains. Car l'homme a une faculté de nuisance toujours très grande. La distance qui nous sépare aujourd'hui des espaces naturels nous a fait perdre de vue les moyens d'en user de façon durable, sans doute. Cette capacité de l'humain à soumettre, à asservir, à détruire, à faire souffrir,
pourrait être imputé à son intelligence supérieure. Mais il semble bien qu'il s'agisse là du revers de sa fabuleuse capacité d'adaptation. L'artificialisation de son mode d'existence le mène à ne plus comprendre le milieu naturel dans lequel il vit, tant il s'en est éloigné. Comme le conseille Théodore Monod, il faut que l'homme s'hominise et comprenne enfin sa place au milieu du vivant. Heureusement, l'étude des comportements animaux risque bien de nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes d'abord. Karine Lou-Matignon montre dans son livre « Révolution animale », sous-titré « Le génie des animaux » que je vous recommande vivement, l'extraordinaire variété des formes d'intelligence chez les animaux et fait vaciller grâce à des éthologues et des biologistes et de façon définitive les animaux-machines de René Descartes. Les recherches sur les émotions, sur les stratégies ou les sociologies animales nous plongent dans une révérence à la vie qu'un Albert Schweitzer n'aurait pas reniée. De la mémoire des chèvres qui se souviennent de la voix des petits qu'elles ont eue l'année d'avant quand on leur présente à nouveau, à la compassion du rat qui libère son congénère plutôt que de s'enfuir avec la nourriture qu'on lui a laissée, de la patience d'une troupe d'éléphants qui attend un congénère boiteux qui a plus de mal que les autres à avancer, au deuil d'un marmouset qui prend sa compagne dans ses bras pour les derniers instants de sa vie, du savoir des abeilles à la ruse d'un poulpe. Toutes ces observations nous ramènent à cette humanité que nous estimons à part et supérieure aux autres espèces pour l'inviter à l'humilité d'abord. Nous sommes invités à nous décentrer de nous-mêmes et à regarder les animaux en nous demandant de nouveau qui sont les animaux. C'est le titre du livre collectif dans lequel l'ethnologue Philippe Descuella dénonce l'ethnocentrisme du projet de nos sociétés occidentales modernes de libérer les animaux. Il remet cette formulation en cause et il montre que c'est typique d'une société comme la nôtre. Et il rappelle que le terme générique « animal » n'existe pas dans toutes les langues, et que le regroupement des non-humains sous ce vocable est un acte propre à une culture très particulière qui est la nôtre. Dans d'autres cultures, les animaux n'ont absolument pas la même place et le même statut que dans la nôtre. D'autres cultures voient les animaux comme des frères ou des doubles d'un humain et considèrent en eux des individus singuliers avec une personnalité. Dans ces sociétés, dans ces cultures, il n'est pas question d'asservir ces êtres si importants. Il n'est pas question de les maltraiter et il est plus souvent question de collaborer ou de dialoguer avec. La question de leur libération ne se pose donc pas. Et donc des lois universelles de libération des animaux n'auraient aucun sens d'après Philippe Descuella. Il n'y a donc pas d'animal en soi, ni d'universalité de sa compréhension. Et il ajoute « Si je perçois l'animal dont je croise la route comme la réincarnation de ma grand-mère, comme le vecteur d'un ensorcellement, ou comme un beefsteak sur pattes, je ne le traiterai évidemment pas de la même manière. » Peut-être pourrions-nous regarder ces animaux comme des colocataires sur la terre, ayant des droits, à qui il faut faire de la place et qu'il nous faut respecter en apprenant jour après jour à les connaître mieux. Une façon de faire de nouveau alliance avec le vivant en cohabitant sur la terre avec d'autres animaux que nous et les considérer comme notre prochain. Amen.